Parmi les nombreuses activités développées par la VEFA, figure en premier lieu la Bourse de l'Emploi. Celle-ci permet de mettre chaque année en relation une bonne centaine d'employeurs et de salariés. Elle agit dans le cadre d'une convention signée avec Pôle emploi. Autre action développée par la VEFA, le livret saisonnier. Chaque année, 5000 exemplaires de ce livret sont diffusés à l'attention des jeunes dans les collèges, lycées et universités, mais aussi dans les agences de Pôle emploi, les associations intermédiaires, les forums emploi et dans tous les lieux susceptibles d'accueillir des demandeurs d'emploi. En 2010, ce livret proposait 1806 postes saisonniers répartis dans 78 entreprises. La VEFA participe également à l'ensemble des forums emploi organisés sur le département. C'est un bon moyen pour faire connaître nos métiers et montrer leurs différents attraits. En 2010, la VEFA a participé à 8 forums en Vendée et a accueilli 501 personnes sur son stand. La promotion des métiers de l'agriculture est le premier objet de la VEFA. À cet effet, la VEFA organise chaque année des rencontres entre collégiens et jeunes agriculteurs, souvent suivies d'une visite d'exploitation. En 2010, 11 classes de collégiens ont bénéficié de cette rencontre. Par ailleurs, la VEFA organise chaque année, à l'intention des élèves de 3e, un jeu concours intitulé « La terre vue du collège ». Outre des petits lots pour chaque participant, la classe gagnante se voit offrir un déplacement à Paris avec visite du salon de l'agriculture. La VEFA participe activement à la tenue d'un observatoire de l'emploi. Ces travaux permettent d'évaluer l'évolution de l'emploi, mais aussi de faire des perspectives pour l'avenir. Cela est indispensable pour mettre en place aujourd'hui les formations qui seront nécessaires aux métiers de demain. Le COSA, Comité d'œuvre sociale des salariés agricoles, fait partie intégrante de la VEFA. En 2010, il a délivré 4524 prestations auprès de 1364 adhérents. On note, depuis quelques années, une augmentation sensible du nombre de chèques vacances distribués. Par ailleurs, le COSA édite le COSACTU, une revue biannuelle à l'attention des salariés de la production agricole. Le site internet de la VEFA est un portail, une ouverture, non seulement vers les salariés agricoles, mais aussi vers le monde entier. Il permet d'accéder directement aux offres de la Bourse de l'Emploi, mais aussi aux chiffres de l'Observatoire, aux prestations du COSA et à de nombreuses autres informations. Le site a été totalement refondu en 2010 dans le cadre d'une harmonisation au sein du réseau de l'ANEFA. Toutes ces actions, que nous avons rapidement évoquées, constituent le quotidien des élus et de l'équipe administrative de la VEFA. Ensemble, ils travaillent pour un développement harmonieux de l'emploi salarié en agriculture dans les meilleures conditions possibles.